Phil? Are you listening? Damn. Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le shampoing. Vous savez, je vous avais parlé de l'après-shampoing. Et bien la marque a accepté une nouvelle fois de me gâter et m'a envoyé le bain de kératine. Donc c'est le shampoing à la kératine qui permet de restructurer les cheveux sans cracra, hein, sans silicone, sans sulfate, tout type de cheveux. Donc, j'ai le cheveu qui régresse trop vite, hein, aussi bien que ma peau. Donc, pour avoir le cheveu moins gras à la racine, j'ai opté pour, comme vous le savez déjà, le système low poo. Le low poo, c'est on se lave moins les cheveux et on les tripote moins pour avoir les cheveux moins gras. Donc jusque-là, tout va bien, n'est-ce pas? C'est-à-dire que j'essaye d'espacer mes shampoings d'une semaine, voire plus. Je sais, dadadi, dadada, il crade et tout. Non, non, c'est juste qu'avec la longueur que j'ai maintenant... et les cheveux que je perds maintenant, j'ai envie de vous dire, si je me lavais tous les jours les cheveux, j'aurais plus rien sur le caillou, hein. Et il est prouvé aussi que de masser lors des bains comme ça de kératine les cheveux, voilà, en massant le scalp, fait pousser les cheveux plus vite. Donc j'en suis convaincue et mes cheveux poussent réellement plus vite depuis que je teste le low poo, c'est clair et net, on y touche moins, ça casse moins. Bon, j'ai fait un petit peu des erreurs par le passé en testant des produits qui ont fait casser mes cheveux. Mais majoritairement, j'en ai pris énormément soin ces derniers temps et ça, ça en fait partie. Je l'ai testé, ça me convient. Parce qu'il y a plein de shampoings qui ne me conviennent pas. Au bout de deux jours, je regresse mais de la mort. Et jusqu'à présent, je prenais le LCF, le vert, vous savez, pour cheveux gras. Et oui, j'étais obligée. Ensuite, j'ai voulu, donc toujours avec le masque à l'argine résiste de Elsev, de L'Oréal, quoi. Et en gros, il y a du caca dedans quand même. Donc des silicones, des parabènes, du méthylisothiazolinone, du phénoxyéthanol, voilà quoi. Hein, on est bien d'accord? Donc si tu veux, je crois qu'il n'y a que du méthylchloroisothiazolinone. Bon, c'est pas super, il y a de l'alcool aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de pas bien? Voilà. Donc bon, si tu veux, il y en a quand même. Il y a du méthylisothiazolinone aussi. Donc voilà. Mais bon, quand tu l'utilises qu'une fois par semaine, ça passe. Faut juste faire un tantiner attention si tu vois des éruptions cutanées, des démangeaisons, des choses comme ça. Ça peut être dû à tous ces conservateurs qui sont quand même irritants pour les peaux sensibles. Donc voilà, ça c'est dit, c'est plus à dire. Cependant, ils disent que c'est l'Absolulis. Pourquoi je dis Absolulis alors que c'est Lulis? Absolulis suprême, donc qui est censé en gros être formulé, on va dire, pour les cheveux un peu épais et frisés. Pour les gainer et les lisser. Donc, oui et non, lisser, je pense pas, parce que moi j'ai les cheveux ondulés et je n'utilise pas de sèche-cheveux pour faire des brushings ni quoi que ce soit. Je laisse naturellement sécher pour ne pas casser le cheveu. Je ne brosse pas mes cheveux lorsqu'ils sont mouillés. Je fais très 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 attention et tous les brossages que je fais, c'est avec la Tangle Teaser pour éviter d'endommager. Ou alors, elle est là. Ma poêle de sanglier. Mais vu que des fois, elle ne retire pas bien les nœuds, ben la Tangle Teaser, elle sert à ça. Donc, en gros, il me convient, parce que j'ai vraiment du mal pour en revenir à mes moutons, hein. Voilà. Il me convient, alors que d'habitude, mais j'ai du mal quand même à trouver un shampoing qui ne me regresse pas les cheveux au bout de deux jours. De ce point de vue-là, c'est nickel. J'ai des démangeaisons au niveau du cuir chevelu, mais ça, ça les aggrave pas, on va dire. J'ai pas eu besoin de repasser par l'hydrocortisone, voilà, on va y arriver, pour guérir en gros mon psoriasis. Je pense que c'est du psoriasis. Et si vous voulez, ça, ça me permet, au bout de 3-4 jours, ça va encore, je suis trop contente. Ça et le soin, mais pas sur les racines, hein, le soin, toujours en longueur et pointe. Ça fait un effet de dingue, les cheveux sont doux, sont soyeux, sont brillants. Ils sont brillants, alors que moi je m'en tape du brillant. Mais là ils sont brillants, donc c'est clairement à mentionner. Hein. Ils sont d'une douceur quand tu rinces, mais un truc de ouf, ça te démêle
pile poil ce qu'il faut. Ça tire pas quand tu sèches, quand ça sèche. Si tu veux, si tu sèches correctement sans frotter comme ça tes cheveux avec la... Moi, je laisse faire, quoi. Du coup, il n'y a pas beaucoup de nœuds. Du coup, ça tire moins. Du coup, tu perds moins tes cheveux. Comment te dire ? C'est ce que je recherche. Et franchement, au bout de 4 jours, j'utilise un shampoing sec de chez Baptiste. Pour voilà, au niveau du sébum de... C'est sûr qu'on a de la séborée. Au niveau du cuir chevelu quand même, hein, pour protéger le cuir chevelu, les glandes sécrètent voilà, des acides et du gras. Des acides gras. Comment te dire ? Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais du gras. Et en tout cas, moi, ça me convient. Je ne régresse pas trop vite. Et ça, c'était ma hantise. Parce que vraiment... Il suffit que tu aies un shampoing qui ne te convienne pas pour que ça parte en javel. Donc là, je suis contente. J'arrive à espacer. Putain, la semaine dernière, j'ai fait 9 jours sans me laver les cheveux. Comment te dire ? Et c'est pas crasse-pouille, hein. On ne part pas là-dessus. C'est vraiment parce que j'ai les cheveux propres. Alors, comment te dire ? C'est vraiment, au bout de 4 jours, je mets un peu de shampoing sec. Le shampoing sec, en fait, avec ça, je ne sais pas, il réagit bien. Ce qui fait que ça te laisse le cheveu propre et frais, quoi. Mes cheveux sentent bon. Enfin, sentent bon. Ils sentent pas mauvais. Si vraiment la pointe, elle est sèche, je rajoute le Nutri... je vous en avais fait la revue, la mousse Nutri Plus de chez Gourian, je crois. Et ça, je vous remettrai en barre d'infos, bien sûr, la revue que je vous en avais faite. Ça sent la crème brûlée, ça sent trop bon. J'arrive au boulot, je fais la bise aux filles et oh, tu sens bon, tu sens la crème brûlée, ça sent trop bon. Enfin, c'est trop cool, quoi. Donc ça, ce produit-là, j'en... Et il en faut rien du tout. Je veux dire, c'est comme une bombe de crème chantilly. T'en mets... Ça gonfle et t'en as pour toute la chevelure. C'est vraiment un truc de ouf, c'est économique ce produit, j'en rachèterai absolument. Parce que ça fait... Enfin, on voit qu'ils sont plus hydratés, ils sentent bon et en plus, ils durent longtemps. Il va me durer une éternité ce produit-là. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce petit produit-là. Ils sont en promo en ce moment. Je pense quand même que je vais en racheter. Pas tout de suite parce que là, les soldes, j'ai fait fort. Très fort. Très très fort. Vous allez le voir en vidéo parce que je dois vous faire les vidéos. J'ai trop de vidéos en retard donc j'espère que ça va aller. Pour tout rattraper mon retard, il faudrait que je vous poste une vidéo tous les jours pendant 30 jours. Je pense. Mais vu que j'ai le montage en fait, ça me saoule. Je vous jure. J'ai plus de place sur mes cartes mémoire tellement je vous ai filmé des vidéos mais le montage... le soir comme ça j'ai autre chose, enfin en ce moment avec le boulot et tout j'ai la flemme en fait de faire du montage donc je sais, ne m'en veuillez pas, je vous aime d'amour, je fais tout ça pour vous mais le montage, si je pouvais passer l'étape montage et vous coller tout, mais vous le savez, je vous l'ai déjà dit, ce serait du topissime. Donc sur ce, bah, c'est tout, je vais pas vous saouler plus que je vous ai déjà tout raconté. Hein. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. Je vous fais d'énormes bisous d'amour. Et à très bientôt, ciao. Are you listening?